Bonjour et bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une pratique de vinyasa, donc une pratique un petit peu plus fluide et rythmée en mouvement, où on va se concentrer un petit peu plus sur le haut du corps pour aller chercher des extensions au niveau de la colonne vertébrale. Donc, beaucoup de postures qui sont dans l'ouverture du cœur, où on va venir aussi utiliser notre souffle pour venir créer un petit peu plus d'espace dans toute cette zone de l'avant du corps, toutes les parties qu'on a tendance à laisser se refermer un petit peu, se raccourcir quand on s'avachit petit à petit sur notre chaise. Donc, on va juste recréer de la longueur et de l'ouverture en apprenant comment engager notre centre pour pouvoir protéger notre bas du dos et puis créer un petit peu plus d'ouverture dans le haut du corps qu'au niveau des lombaires. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de votre tapis, éventuellement d'un bloc ou d'une couverture. Ça peut toujours s'avérer utile dans certaines postures ou quelques modifications des postures. Vous êtes prêts? On se retrouve sur le tapis pour commencer. Et depuis là, vous pouvez simplement venir vous allonger sur le dos. On va commencer dans la posture du papillon, allongé au sol, donc plante de pied l'une contre l'autre. Les genoux viennent s'ouvrir de chaque côté. Vous trouvez un positionnement pour les talons pour que l'ouverture soit agréable au niveau des hanches et pas trop intense. Et puis vous pouvez venir placer une main au niveau du bas du ventre et une main au niveau de la poitrine du cœur. On peut juste réajuster si c'est nécessaire au niveau des épaules, au niveau du haut du corps. Sentir que vous êtes aussi à l'aise que possible dans la posture. Puis commencez à laisser tous les muscles se détendre et se relâcher. Prenez une profonde inspire par le nez. Et une expire par la bouche. En laissant bien l'entier du corps se détendre. Puis depuis là, vous pouvez commencer à conscientiser un petit peu la respiration en essayant tant que possible de ne pas changer le souffle. Juste le laisser aller à son rythme naturel. Puis essayer de sentir où vous percevez votre respiration. Est-ce que c'est plutôt sous une main ou sous l'autre? Les deux? C'est superficiel, profond, rapide ou lent. Puis vraiment résister à l'envie de modifier le souffle, encore pour quelques respirations, pour pouvoir vraiment prendre conscience de comment est en général votre respiration à l'état naturel, de façon involontaire, comme elle l'est la majeure partie de la journée, quand on est absorbé dans nos différentes activités. Et puis depuis là, vous allez commencer à petit consciemment approfondir le souffle. Donc comme si on reprenait les commandes de ce processus respiratoire, où on choisit de volontairement laisser l'abdomen se gonfler avec l'air. Et c'est la main du haut qui est au niveau du sternum du cœur, elle aussi se soulever sur la fin, l'inspire. Et ensuite avec l'expire, vous sentez le mouvement qui relâche, autant au niveau de la main du haut que celle du bas. Donc continuez comme ça 2-3 fois à votre rythme en essayant d'abord de venir gonfler au niveau de l'abdomen, et ensuite de terminer l'inspire en en faire bouger un petit peu votre main du haut. Vraiment avec l'impression que les poumons sont remplis à ras-bord d'air. Puis après, vous relâchez d'abord la main du haut, puis la main du bas. Peut-être que vous sentez que petit à petit, il y a un petit peu plus de place dans les poumons. Au fur et à mesure que tous ces petits muscles s'ouvrent, les muscles intercostaux, que le diaphragme descend un petit peu plus bas. On trouve vraiment cette sensation d'expansion et de relâchement. Prenez encore une dernière respiration ici,
à votre rythme. Ensuite, vous pourrez délicatement venir allonger les deux bras le long des flancs, remonter un genou après l'autre pour poser les deux pieds à plat au sol, puis juste prendre un petit instant d'immobilité dans cette position neutre. Gardez une partie de votre attention sur le souffle pour maintenir la respiration dans cet état un peu plus conscient. On va essayer pour la pratique d'aujourd'hui, autant que possible, de maintenir une partie de notre concentration sur la respiration pour ne pas retomber dans ce processus automatique, mais vraiment joindre le souffle et le mouvement. Et on va aller même un petit peu plus loin en utilisant le souffle pour venir ouvrir toute la région du haut du corps. Donc venir recréer de l'espace au niveau du cœur en s'aidant de la respiration. Et depuis là, vous pouvez tourner les paumes de main face au sol. Donc le bout des doigts qui pointe en direction des talons. Vous assurez que les talons sont relativement proches des fesses pour venir ensuite avec l'inspire presser les pieds au sol et puis doucement décoller le bassin en déroulant tranquillement. Pour l'instant, on va garder les bras sur le sol dans un petit pont. Puis avec l'expire, vous déroulez une vertèbre après l'autre depuis le milieu du dos jusqu'au coccyx pour reposer l'entier du bassin au sol. La prochaine inspire, on reprend le même mouvement, mais cette fois-ci, on ajoute les bras. Les deux bras s'étirent jusqu'au-dessus de la tête. Le bassin monte peut-être un petit peu plus haut. Le dos des mains vient toucher le sol, juste au-dessus de vous. Puis avec l'expire, vous redescendez une vertèbre après l'autre, les bras en même temps, en essayant de faire poser le bassin et les paumes de main en même temps sur le sol. Puis de nouveau, inspire, on repart. Bras et fesses se soulèvent. Puis expire, on descend tranquillement. On va le faire une dernière fois. Inspire, les fesses montent, les deux bras s'étirent en direction du plafond. Puis cette fois-ci, une fois que vous arrivez au sommet de l'inspire, vous pouvez expirer, garder les fesses en haut, ramener juste les bras le long des flancs. Et puis venez ensuite entrelacer les doigts sous les fesses pour rouler un petit peu plus sur vos épaules, sur le haut de vos bras, comme si vous essayiez de venir coller les omoplates l'une à l'autre. Pour venir dans cette variante du pont où on se crée comme un petit support supplémentaire avec les bras pour pouvoir engager les fessiers puis pousser les fesses un tout petit peu plus haut. Créer cette ouverture au niveau du buste, de l'avant du corps, tout en protégeant le bas du dos grâce à l'engagement des fessiers. Encore une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, vous relâchez doucement l'entrelacement des mains. Déposez les épaules au sol, une vertèbre après l'autre. Vous venez vous retrouver dans la position neutre sur le tapis. Prends juste une longue respiration. Et puis après, vous pouvez amener les deux genoux contre vous, venir glisser les mains juste sous l'arrière des cuisses, sous les genoux. Et puis, en laissant le haut du corps s'arrondir un petit peu, utilisez l'élan de vos jambes pour vous faire rouler deux, trois fois d'avant en arrière, comme une petite boule en gardant le dos bien rond. Et puis la prochaine fois que vous roulez vers l'avant, vous pouvez croiser les jambes, simplement venir vous trouver dans une assise. Les deux mains qui viennent se poser sur les genoux. On va inspirer, trouver la posture de la vache dans un dos creux. Donc vous poussez la poitrine vers l'avant, vous poussez un petit peu les fesses vers l'arrière. Vous pouvez tirer légèrement les mains sur les genoux, puis monter un petit peu le regard. Puis avec l'expire, vous arrondissez en roulant sur les ischions, en regardant en direction du nombril, en laissant tout le dos s'arrondir. Puis avec l'inspire, on tire les mains sur les genoux, on vient de nouveau trouver cette position inverse. Au niveau de la colonne, on peut monter un petit peu plus le menton, sentir l'étirement au niveau de la gorge. Puis avec l'expire, on vient dans notre posture du chat. Chat fâché avec un dos rond. Regarde vers le nombril. Et une dernière fois, à l'inspire, on passe dans une sorte de vache. Pas à quatre pattes, mais assise. Et puis à l'expire, dans un dos rond. Puis ensuite, depuis là, vous revenez dans une position neutre. Les mains viennent se poser au sol et vous pouvez tranquillement venir décroiser les jambes, accrocher les orteils et puis à votre rythme, venir trouver un chien tête en bas, tout en mouvement, où vous venez mobiliser un petit peu les différentes articulations auxquelles vous avez accès depuis votre chien tête en bas, en marchant un petit peu sur place.
Gardant les deux mains bien ancrées au sol, peut-être en essayant de venir allonger au niveau d'un flanc puis de l'autre, de venir créer un petit peu d'étirement sous les épaules. Tout ce que vous sentez qui est accessible et qui est agréable à venir étirer ici. Toujours avec cette connexion au souffle. Conscience de la respiration qui peut s'allonger et s'approfondir encore un petit peu plus. Nous servir pour venir ouvrir depuis dedans toutes ces zones du buste, de la cage thoracique et de l'espace-cœur. Puis depuis là, avec la prochaine inspire, vous pouvez monter sur la pointe des pieds, plier légèrement les genoux, puis tranquillement avancer les épaules jusqu'en-dessus des poignets pour arriver dans une planche. Puis depuis votre planche, déposez les genoux au sol, le bassin, la poitrine, jusqu'à arriver à plat ventre sur votre tapis. Les orteils se relâchent à l'arrière. Avec l'inspire, on peut engager les fessiers, enrouler les épaules en arrière et puis se redresser dans un petit cobra avec les coudes qui pointent vers le bas puis les épaules qui tirent un petit peu derrière. Puis à l'expire, on redescend. Puis de nouveau, on inspire, on monte dans un petit cobra qui va peut-être un petit peu plus haut cette fois-ci. Vérifiez juste que vous engagez bien les fessiers pour protéger les lombaires. Puis à l'expire, on déroule pour redescendre. Une dernière fois à l'inspire, on monte dans un cobra. Et à l'expire, on descend. Et puis là, on peut venir glisser les coudes sous les épaules pour se trouver dans un sphinx. Les coudes un petit peu en avant de sous les épaules si le bas du dos est un petit peu sensible. Gardez un petit peu les fessiers engagés, le nombril qui monte légèrement en direction de la colonne pour trouver un sphinx engagé. Avec l'intention de tirer vos coudes en direction de vos côtes pour sentir que ça vient juste étirer encore un petit peu plus les muscles le long des côtes. Vous pouvez continuer de respirer avec cette conscience du souffle, vraiment au niveau du sternum, des flancs, des omoplates et jusque sous les clavicules. Continuez de respirer en essayant de sentir comment chaque respiration peut ouvrir un petit peu plus tout le tour de la cage thoracique. Encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, les coudes s'ouvrent de chaque côté en redescendant jusqu'à plat ventre au sol. Les mains glissent sous les épaules, on accroche les orteils. Et là, on remonte dans une planche sur les genoux et on expire jusque dans un chien tête en bas. On profite d'une longue inspiration, d'une longue expiration. Puis avec la prochaine inspire, on va allonger le pied droit en direction du plafond, en restant stable sur nos trois autres points d'appui au sol. Puis à l'expire, déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite, à l'avant de notre tapis. Décaler un petit peu la main droite vers le centre si c'est nécessaire. Puis essayer de vraiment garder votre jambe gauche active pour monter un petit peu les fesses. Et puis sentir l'étirement ici au niveau de l'avant de la cuisse du côté gauche. Donc on est dans un lézard sans poser le genou au sol. Puis là, on va juste venir un petit peu d'avant en arrière, comme si on se propulsait avec les orteils de notre pied gauche. Trouver ce petit mouvement de balancement qui vient étirer un petit peu plus l'avant de notre cuisse du côté gauche. Puis si petit à petit il y a besoin d'un petit peu plus d'étirement, laissez le bassin descendre un peu sans perdre la tension dans cette jambe gauche, donc sans plier le genou. Et puis ensuite, vous venez déposer votre genou gauche au sol. Pour inspirer, vous redressez dans une fente basse. Donc là, s'il y a besoin, le pied droit peut se replacer un petit peu pour pouvoir continuer d'étirer au niveau de cette cuisse gauche en laissant le bassin descendre un petit peu plus. Puis le bout des doigts vient de s'étirer de chaque côté des oreilles en direction du plafond. On inspire ici. Puis avec l'expire, on va relâcher les bras, trouver l'entrelacement juste au-dessus du sacrum, comme on l'a fait dans notre pont, pour ouvrir un petit peu plus la poitrine en essayant d'éloigner les mains vers l'arrière. Vous voyez, si vous arrivez à serrer un petit peu plus votre fessier gauche, comme si vous vouliez pousser votre bassin en avant, puis depuis là, si c'est disponible, ouvrir un peu plus au niveau de la poitrine. Le regard peut monter, on peut étirer de nouveau un petit peu plus au niveau de la gorge, du cou. Puis là, maintenant cet engagement au niveau du fessier du côté gauche, vous allez essayer de décoller le genou gauche hors du sol jusqu'à pouvoir tendre la jambe à l'arrière, puis vous trouver dans cette variante de la fente haute, puis tranquillement redescendre jusqu'à déposer votre genou gauche au sol.
Toujours en gardant cette activation au niveau des cuisses, de la fesse gauche, on remonte tranquillement. On essaie de se décoller, sortir de notre hanche droite, d'engager tous les muscles pour pouvoir trouver cette ascension. Puis on redescend. Encore une dernière fois, on monte dans la fente haute. On peut ouvrir un petit peu plus le buste, la poitrine. Et puis là, avec l'expire, on relâche l'entrelacement des mains. Les deux bras viennent de chaque côté des oreilles. On reste encore une inspire ici. Puis avec l'expire, les mains au sol, on recule jusque dans un chien tête en bas. Pour revenir un petit peu marcher sur place. Puis juste observer les différents changements qui s'opèrent au fil des postures entre la gauche et la droite. Puis avec la prochaine inspire, c'est le pied gauche qui va venir s'étirer en direction du plafond. Et on vient ensuite déposer le pied à l'extérieur de notre main gauche. Et on se prépare pour notre lézard. Donc la main gauche peut se décaler un petit peu. Vous restez bien ancré sur les orteils du pied droit pour pouvoir vous propulser un petit peu d'avant en arrière. Avec cette intention de créer un petit peu plus de longueur vraiment au niveau du psoas, du haut de la cuisse du côté droit. Donc de bien garder le genou tendu, mais de laisser le poids du bassin juste attirer un petit peu plus la hanche en direction du sol. Et puis ensuite, depuis là, on vient poser notre genou droit au sol. Avec une inspire, on se redresse dans notre fente, peut-être en réajustant un petit peu l'espacement entre nos deux pieds pour être à l'aise ici, puis pouvoir de nouveau descendre un petit peu plus bas pour continuer à venir solliciter notre psoas, donc depuis le genou plus ou moins jusqu'au flanc droit, cette longue ligne d'étirement. On inspire ici, puis avec l'expire on vient relâcher les bras, trouver l'entrelacement au-dessus du coccyx, peut-être en décalant d'un cran comme ça, on est avec la variante dont on a moins l'habitude, on commence à éloigner un petit peu les mains, puis trouver cette ouverture au niveau du buste. Peut-être qu'on en serre un petit peu le fessier droit, en consciemment l'engager, vous sentez que ça aide à ouvrir un petit peu plus au niveau du buste. Puis là, en gardant les orteils de votre pied droit, accrochés sur le tapis, pressez sur vos points d'appui pour pouvoir décoller votre genou droit, comme si votre talon gauche s'enfonçait un petit peu plus dans le sol, on sent le quadriceps qui tout d'un coup chauffe un peu plus pour nous permettre de décoller. Puis à l'expire, on redescend aussi tranquillement que possible, déposer notre genou droit au sol. Puis une fois que le genou est déposé, on remonte jusque dans la fente haute et on redescend. Genou droit au sol. Une dernière fois, on monte. On vient trouver notre forme de fente haute, on essaie de garder la jambe arrière aussi tendue que possible pour ensuite relâcher l'entrelacement des mains et tirer les deux bras de chaque côté des oreilles. C'est vraiment de sentir depuis l'épaule cette longue ligne d'étirement qui passe sur tout l'avant du bassin du côté droit. La stabilité au niveau des jambes. On a une dernière inspire. Puis elle expire les deux mains au sol. On recule jusque dans un chien tête en bas. Juste un petit moment pour se dégourdir un petit peu les jambes. Puis ensuite on peut ramener les pieds l'un après l'autre. Petit pas par petit pas. Jusqu'à l'avant. Dans une flexion avant simple, les genoux un petit peu fléchis, vous pouvez venir saisir les coudes, puis simplement venir relâcher un petit bercement de droite à gauche. Venez ensuite retrouver le centre, plier les genoux un petit peu plus pour dérouler une vertèbre après l'autre. Jusqu'à vous trouver dans une posture debout, les deux pieds bien à plat au sol, peut-être en réajustant un petit peu votre posture de la montagne. Et là, vous pouvez prendre un instant pour fermer les yeux. Vous sentir trouver cette staticité, cet équilibre dans votre position debout.
Depuis là, on va continuer à créer un petit peu d'ouverture au niveau du haut du corps avec la posture du danseur, qui est une posture d'équilibre. Donc vous pouvez prendre appui sur votre pied gauche, puis simplement commencer par prendre votre genou droit contre la poitrine, le serrer un petit peu contre vous, juste pour vous aider à repousser un petit peu plus le sol avec votre jambe gauche, comme si vous essayiez vraiment d'envoyer votre pied un peu plus loin dans le sol, tout en gardant la longueur au niveau du dos. Puis depuis là, vous relâchez votre jambe droite, vous la faites pivoter à l'arrière pour attraper le pied depuis dedans ou dehors, vous voyez ce qui est le plus confortable. L'épaule droite roule un tout petit peu en arrière, puis avec l'inspire, on lève notre bras gauche le long de l'oreille gauche pour se donner encore un petit peu plus cette sensation de verticalité. Puis là, vous commencez à presser le pied dans la main. Laissez l'épaule droite rouler en arrière. Puis peut-être que petit à petit, on descend un petit peu plus en avant. Vous jouez ici autant avec votre équilibre que la profondeur de l'ouverture au niveau de l'épaule droite. Et plus vous allez presser avec votre pied droit dans la main droite, plus vous sentirez aussi le pied qui peut monter un petit peu plus haut. Tout en venant faire chauffer un petit peu votre quadriceps. Encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, on revient doucement. On relâche notre danseur, on fait pivoter de nouveau le genou vers l'avant. On vient le serrer une fois contre la poitrine à l'avant. Puis avec l'expire, on vient redéposer pied droit au sol. On peut secouer un petit peu le bassin, relâcher les jambes. Puis retrouver nos appuis sur nos deux pieds. Jusqu'à transférer ensuite le poids sur la jambe droite. Soulever le genou gauche hors du sol et puis venir commencer par juste serrer cette jambe contre nous. En imaginant comme si on voulait vraiment bien s'enraciner pour cette posture d'équilibre, qu'on pousse notre pied droit un petit peu plus dans le sol, qu'on sent le bassin qui monte un tout petit peu. Puis en gardant cet engagement au niveau de la jambe droite, on lâche le genou gauche, vous faites pivoter votre jambe vers l'arrière. Venez chercher votre pied de la manière qui convient le mieux. Bras droit s'étire en direction du plafond. Puis là, petit à petit, vous pressez le pied dans la main. Et au fur et à mesure, vous sentez le haut du corps qui, pour compenser et puis maintenir l'équilibre, part un petit peu plus en avant. Votre bras droit peut vous aider aussi ici à aller un petit peu plus bas s'il y a besoin. Pour vraiment trouver l'équilibre uniquement sur ce pied droit. Mais ici, vous pouvez de nouveau engager un petit peu plus le fessier de votre jambe droite. Maintenir la stabilité sur cette jambe de terre. Puis peut-être aussi engager un petit peu le fessier de la jambe gauche pour potentiellement monter le genou un tout petit peu plus haut. Encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, on revient avec le plus de contrôle possible. On relâche notre pied, on vient serrer une fois le genou contre la poitrine. Puis on relâche. De retour dans notre montagne. On peut bouger un petit peu les hanches, relâcher les épaules. Puis on va reprendre appui sur notre pied gauche. Lever notre pied droit hors du sol. On va refaire cette même posture, on va prendre le genou contre la poitrine. Vous pouvez juste commencer par trouver la stabilité ici sur votre jambe de terre. Peut-être trouver cette sensation de pousser un peu plus le pied dans le sol. Puis là, on va relâcher notre jambe droite. Monter les deux bras de chaque côté des oreilles. Puis le plus lentement possible, on va commencer à pivoter le haut du corps qui part vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. Pour faire le chemin le plus long possible, jusque dans une fente haute. Donc vous prenez votre temps, vous commencez à fléchir sur votre jambe de terre. Jusqu'à ce que les orteils du pied droit viennent trouver le sol. Et une fois que vous sentez que cette jambe droite a atterri tout en contrôle, avec grâce, élégance. Prenez une inspire ici dans la fente haute, puis avec l'expire, vous venez doucement déposer votre genou droit au sol. Depuis là, relâchez les orteils de votre pied droit, puis tranquillement reculez les hanches jusqu'à ce qu'elles soient au-dessus du genou droit pour pouvoir décoller votre pied gauche hors du sol. Donc on joue un petit peu avec l'équilibre, légèrement différemment ici, jusqu'à pouvoir ramener notre genou gauche à côté du genou droit. Orteil relâché, puis on se retrouve debout sur les genoux. Prends une inspire ici, puis là on va venir croiser les deux bras sur la poitrine. Serrer un petit peu les fessiers, puis venir se pencher vers l'avant, jusqu'à ce que notre front touche le sol, en essayant d'éviter que nos fesses touchent nos talons. Puis avec l'inspire, on se redresse.
jusque tout en haut. Avec l'expire, on garde les fessiers engagés, puis on va se pencher vers l'arrière comme si on était une planche, le plus loin possible. Échauffer de nouveau un petit peu les quadriceps. On revient à la verticale. On pousse les fesses en arrière, puis on repart pour essayer de venir toucher le tapis de notre front. Puis on remonte. Donc à la force des muscles des jambes et du dos, puis on repart dans notre sorte de planche sur les tibias. On engage le centre, on engage les quadriceps, et on revient pour descendre une troisième et dernière fois. Main toujours sur les épaules, le front touche le sol. On remonte sur l'inspire. Puis avec l'expire, on va vers l'arrière, jusque dans notre planche sur les genoux. Et puis on revient. Puis depuis là, avec l'inspire, les deux bras remontent de chaque côté des oreilles. On retransfère le poids sur notre bas de jambe droite pour décoller notre genou gauche. Puis là, aussi tranquillement que possible, on va venir déposer notre talon gauche au sol. On revient dans notre fente basse. Puis on va remonter comme on est rentré dans la posture. On accroche les orteils de notre pied droit à l'arrière. On remonte jusque dans notre fente haute. Puis là, avec un pas qui nous ramène vers l'avant, cette fois-ci avec une légère propulsion, on va revenir genou droit contre la poitrine. Le serrer juste un instant contre nous. Puis avec l'expire, on relâche. On se retrouve un petit instant dans la montagne, juste ce qu'il faut pour secouer un petit peu, relâcher entre un côté et l'autre. On vient mettre le poids sur notre pied droit. Le genou gauche se lève. On commence par venir juste le serrer un petit peu contre nous. Et puis, le plus stable et tranquillement possible sur notre jambe droite, on va monter les deux bras en direction du plafond, puis commencer à reculer notre jambe gauche, simultanément avancer le buste, plier notre jambe droite, comme si on était au ralenti. On va chercher le plus loin possible vers l'arrière et on atterrit dans notre fente haute avec autant de contrôle que possible. Une fois qu'on est là, on prend une inspire. Puis avec l'expire, on vient déposer notre genou gauche au sol. On peut relâcher les orteils. Puis tranquillement, reculer un petit peu les fesses jusqu'à ce qu'on soit avec le bassin en-dessus de notre genou gauche. On peut serrer un petit peu les fessiers, ça aide ici pour la stabilité. Puis tranquillement, décoller petit à petit notre pied droit hors du sol. Puis on emmène cette jambe à reculer jusqu'à ce qu'on se retrouve debout sur les genoux. Les deux pieds bien ancrés au sol. On va venir cette fois-ci amener les deux bras le long des flancs avec les mains qui viennent juste à l'avant au niveau des quadriceps pour sentir cette zone qu'on va venir engager un petit peu plus. Vous pouvez aussi juste glisser les mains en arrière pour sentir les fesses qui s'engagent. Puis on va reprendre ce mouvement de la planche. Cette fois-ci, on va pousser un petit peu la poitrine vers l'avant, puis essayer de rentrer un petit peu plus au niveau du bassin. Donc plutôt que d'avoir les fesses qui sortent, on va essayer d'aligner en poussant le bassin vers l'avant, en reculant un tout petit peu les épaules. Puis là, vous allez chercher vers l'arrière. Et vous voyez si peut-être ça va un petit peu plus loin. On va le faire deux fois sans les orteils. Donc le dessus des pieds qui presse sur le tapis. On revient. Puis là, vous pouvez venir accrocher les orteils et faire la même chose en essayant de voir jusqu'où vous pouvez aller. Sans forcer, faites attention aux genoux ici qui des fois peuvent cracoter un petit peu. Une dernière fois, on va vers l'arrière. Et on revient. Depuis là, on vient relâcher les orteils. On peut relâcher un petit peu les bras de chaque côté. On va décoller notre jambe droite, pardon, non, gauche. Jambe gauche, hors du sol. Petit à petit, on revient vers l'avant. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez monter les deux bras de chaque côté des oreilles. Accrochez les orteils de votre pied droit à l'arrière. Venir tendre la jambe jusqu'à vous retrouver dans votre fente. Et puis depuis là, vous vous propulsez vers l'avant avec un grand pas. Genou droit vient contre la poitrine. On vient le serrer contre soi. Et ensuite, on relâche. De retour dans notre posture de la montagne. Prends un petit instant ici pour
Juste fermer les yeux, laisser les épaules se détendre. Observer comment sont les sensations après ces diverses postures dans l'entier du corps. Ensuite, depuis là, en ouvrant les yeux, vous pouvez regarder vos orteils, puis juste les ouvrir à peu près à 10h10. Puis venir descendre les deux fesses entre les talons pour vous trouver dans un squat. Puis depuis le squat, juste vous laisser bouger un petit peu de droite à gauche. En laissant les chevilles et les genoux simplement s'adapter au mouvement. Les fesses et le bas du dos peuvent se relâcher. C'est notre petite contre-posture à toutes ces extensions qui sollicitent pas mal l'engagement au niveau du centre et des fessiers. Donc on prend juste le temps de leur donner un petit moment de répit. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez venir placer les deux mains à plat au sol, reculer une jambe après l'autre, jusqu'à vous retrouver dans votre chien tête en bas. Profitez d'une ou deux respirations dans le chien tête en bas pour peut-être venir bouger un petit peu au niveau des épaules, tout ce qui aurait besoin de se relâcher ou de se dégourdir. Puis avec la prochaine inspire, vous pouvez monter sur la pointe des pieds, plier les genoux tranquillement, dérouler jusque dans une planche. Mais une fois que vous êtes dans votre planche, vous choisissez comment vous descendez jusqu'à plat ventre, soit directement sur les pieds, soit en posant les genoux d'abord, vous venez tranquillement jusqu'à plat ventre au sol. Une fois à plat ventre, vous pouvez venir allonger les bras le long des flancs avec les paumes de main qui sont tournées vers le bas. Puis espacer peut-être un petit peu plus vos pieds que la largeur de vos hanches, comme ça vous avez assez d'espace au niveau du bassin. Puis depuis cette posture, en serrant un petit peu les fesses, avec la prochaine inspire, vous allez monter les épaules hors du sol, les reculer comme si les omoplates venaient se toucher l'une contre l'autre pour monter le buste. Un peu comme si on était dans un petit cobra, sauf que la position des bras est légèrement différente. Puis avec l'expire, vous descendez tranquillement. Avec l'inspire, gardez les fessiers engagés, pressez le dessus des pieds au sol, peut-être que les genoux se décollent légèrement, mais sans que les pieds se décollent du sol. Puis à l'inspire, on remonte dans notre forme de petit cobra sans les bras. Puis cette fois-ci, on peut venir alléger les mains hors du sol, puis monter peut-être un tout petit peu plus haut. On a engagé ici nos muscles du dos, nos muscles des épaules qui roulent vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus le buste. Dernier inspire. Puis avec l'expire, on redescend tranquillement. On va faire une troisième et dernière variante de cette posture. Donc même préparation avec le dessus des pieds qui presse au sol. Genoux qui s'activent un petit peu. Les fessiers qui se serrent un petit peu plus. Vous inspirez, vous montez. Première version, les mains se décollent. Deuxième variante, les pieds viennent se décoller hors du sol. Et si depuis là vous voulez aller encore un petit peu plus loin, vous pouvez venir entrelacer les doigts juste au-dessus du sacrum. Et puis aider manuellement les épaules à rouler un petit peu plus en arrière. Continuez de respirer. Pressez le bassin contre le tapis pour pouvoir ouvrir un petit peu plus tout l'avant du corps. Dernière inspire. Et expire, on redescend. On peut venir placer les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Juste laisser tout le corps se relâcher quelques instants dans cette position à plat ventre. Prendre deux, trois profondes respirations. Peut-être que depuis cette position à plat ventre, on peut un petit peu plus facilement conscientiser le souffle qui commence au niveau de l'abdomen et puis qui continue au niveau de toute la ceinture thoracique. Encore une dernière inspire. Expire. Puis depuis là, vous pouvez venir avec chacune de vos mains, attrapez vos pieds, depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur. On est un peu dans la même configuration que notre posture du danseur, simplement qu'on n'est pas en équilibre sur un pied, on est en équilibre sur notre ventre, puis qu'on peut prendre les deux pieds dans les deux mains en même temps. Donc, soit depuis l'intérieur, soit depuis l'extérieur, vous voyez ce qui est le plus agréable. Si vous sentez que c'est nécessaire, espacez un petit peu plus les genoux, mais essayez de bien engager les fessiers, puis de ramener légèrement les pieds vers l'intérieur, pour éviter de venir mettre trop de pression sur les genoux. Puis là, vous pouvez simplement commencer par laisser les épaules monter, puis rouler un petit peu en arrière, le buste légèrement s'ouvrir.
Donc cette même posture que la précédente, simplement qu'on a les deux pieds dans les deux mains. Puis là, pour aller un petit peu plus loin, si vous souhaitez, vous pouvez commencer à presser les pieds dans les mains, puis à redresser encore un petit peu plus le buste. On peut garder le regard orienté légèrement vers l'avant pour éviter de coller la nuque contre les épaules. Juste garder un petit peu d'espace au niveau de l'arrière de la tête. Et puis petit à petit, si c'est OK, vous pouvez commencer à monter encore un petit peu plus haut, peut-être serrer légèrement plus les fessiers et laisser les pieds vous emmener un petit peu plus loin dans la posture en en vraiment trouvé cet engagement au niveau des quadriceps. Donc plus les quadriceps vont résister aux mains qui tirent, plus vous sentirez que ça vous fait aller loin dans cette ouverture au niveau de l'avant du corps. Et si les genoux décollent un petit peu du sol, vous pouvez commencer à jouer aussi un peu avec le souffle pour vous faire des petits mouvements comme un rocking d'avant en arrière. Une dernière inspire, puis avec l'expire, on redescend tranquillement l'entier du corps au sol. On peut de nouveau déposer les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Puis profitez juste d'abord d'un petit moment d'immobilité pour observer les effets parfois assez intenses au niveau du cœur et du souffle de ces extensions. Ça peut être des postures qui demandent étonnamment beaucoup de concentration et d'énergie, mais qui donnent aussi en retour beaucoup d'énergie. Et depuis là, juste comme petite contre-posture, vous pouvez plier les genoux, les talons se pointent en direction du plafond. Et puis là, vous laissez les deux talons tomber à droite et gauche ensemble, donc avec un léger mouvement de torsion au niveau du bassin. Et 5-6 fois. Et puis ensuite, vous pouvez relâcher les pieds à l'arrière, glisser les mains sous les épaules. Et simplement vous faire reculer jusque dans une assise, fesses sur les talons. Les mains peuvent venir se placer sur les cuisses. Vous lâchez un petit peu les épaules, puis vous pouvez fermer les yeux. Juste laisser votre attention redescendre au niveau de l'espace cœur, de la poitrine. Conscientiser le souffle dans cette zone. Et observer si, à ce stade de la pratique, les sensations sont différentes, si le ressenti a changé. Et puis depuis là, avec la prochaine inspire, vous pouvez ouvrir les yeux. Simplement reculer les deux mains derrière vous pour venir sur le bout des doigts. Et puis avec l'inspire, roulez les épaules vers l'arrière, puis commencez à ouvrir un petit peu la poitrine ici. Donc on va garder les fesses sur les talons. Juste venir trois fois enrouler et refermer. Donc avec l'inspire, vous poussez le sternum un petit peu plus en avant. Puis avec l'expire, vous laissez le cœur se relâcher entre les épaules, comme si vous essayiez d'arrondir le haut du dos. Puis de nouveau avec l'inspire, on vient trouver ce mouvement d'ouverture. Peut-être que le regard suit légèrement. Puis avec l'expire, on arrondit. Vraiment au niveau de la colonne thoracique, les épaules poussent un petit peu en avant. Puis une dernière fois, on roule, on soulève le cœur, le sternum. Puis depuis là, vous allez rester dans cette posture, simplement décoller votre main gauche en direction du plafond. Et puis laisser le bras venir s'ouvrir et s'étirer un petit peu plus. Puis là, avec l'expire, vous laissez ce bras passer devant vous. Faire une sorte de 8 ou d'arc de cercle avec l'autre bras pour venir ouvrir en sens inverse. Donc vous êtes en appui sur le bout des doigts de votre main gauche, puis vous étirez votre bras droit peut-être un petit peu plus loin derrière vous. Puis là, le bras droit mène le mouvement, va chercher d'abord sur la gauche, puis sur la droite. Le bras gauche se décolle, puis on vient retrouver. Donc c'est ce même mouvement d'ouverture et fermeture au niveau de la cage thoracique, sauf qu'on vient rajouter le mouvement des bras en plus. On passe d'un arrondi à un creusé avec cette espèce de circularité au niveau du haut du corps. Donc ça, c'est la première variante. Si ça vous demande un petit peu de coordination et de compréhension pour que ce soit fluide, vous restez là. Si vous voulez ajouter un élément supplémentaire, vous pouvez, à chaque fois que vous êtes en appui sur les mains avec le bras qui est étiré devant vous, engager les fessiers, engager les quadriceps et puis pousser les hanches vers l'avant pour trouver un petit peu plus d'ouverture au travers de tout l'avant du corps. Puis vous redescendez les fesses. Vous repartez en sens inverse.
Vous faites la même chose de l'autre côté. Petit à petit, on vient ouvrir tous les tissus sur l'avant du corps, un peu de cette façon croisée, comme on est dans une posture un petit peu asymétrique. Et faites confiance au souffle qui s'adapte de lui-même au mouvement, sans forcément avoir besoin de réfléchir si l'ouverture se fait sur une inspire, l'arrondi sur une expire. Laissez vraiment autant le mouvement que le souffle devenir fluide et spontané. On va aller encore une fois de chaque côté. Et puis ensuite, on va se retrouver dans notre assise, fesses sur les talons. On peut refermer un petit peu les genoux si ils avaient légèrement bougé. Prends juste un petit instant pour relâcher les épaules. Fermez les yeux, observez le souffle. Et puis là, en rouvrant les yeux, vous pouvez venir vous mettre debout sur les genoux. Cette fois-ci, on va espacer un petit peu nos genoux pour être à peu près largeur de hanche. On va commencer par venir accrocher les orteils au sol. Ça nous donne un petit peu plus de hauteur dans notre posture. On va venir prendre la posture du chameau, qui ressemble un petit peu à celle qu'on a faite au sol, dans le sens où on vient chercher nos pieds, où on va en direction de nos pieds. Donc on est dans la même posture, sauf qu'au lieu d'être à plat ventre pour trouver cette position, on est en appui sur les genoux et sur les pieds. Donc ici, vous allez simplement commencer avec cette forme de planche, les bras le long des flancs, à vous laisser aller un petit peu en arrière. Ensuite, reprendre le mouvement de tout à l'heure, où on vient pencher un bras, puis l'autre peut venir s'attirer vers le haut ou légèrement vers l'arrière. Vous voyez quel degré d'intensité vous voulez donner à la posture. Puis après, en utilisant l'élan de ce bras, touc, vous revenez vers l'avant, puis vous pouvez passer d'un côté à l'autre. Donc d'abord utiliser cette sensation d'engagement du centre pour descendre, poser votre main sur votre pied, puis ensuite venir créer un petit peu plus d'ouverture, l'élan du bras qui vous ramène vers l'avant. Donc c'est une manière de prendre cette posture qui parfois peut être assez intense, de façon un petit peu plus fluide, avec la sécurité de l'élan de notre bras, pour nous aider à ressortir sans devoir trop charger au niveau du centre. Vous pouvez choisir de rester avec cette variante du chameau un petit peu plus fluide et puis osciller entre un côté et l'autre. Si vous voulez prendre la version statique, vous pouvez rentrer de la même manière dans la posture, juste vous laisser aller en arrière suffisamment pour qu'une main vienne trouver un talon, puis ensuite l'autre vienne trouver l'autre. Puis depuis là, vous pouvez juste rester quelques respirations en cherchant vraiment cette ouverture au niveau de la poitrine. Plus les fessiers seront engagés, plus ça aidera à relâcher le psoas à l'avant, qui est le muscle antagoniste, puis à vraiment créer cette belle ouverture depuis les genoux jusqu'aux épaules. Continuez simplement de respirer. Dernière inspire. Puis depuis là où vous étiez, vous pouvez ressortir avec peut-être un bras qui vous est à remonter d'abord, puis l'autre. Puis là, vous pouvez relâcher les orteils, venir vous asseoir, fesses sur les talons. Observez ce que vous ressentez, où vous sentez. Vous pouvez ouvrir les yeux, on va remonter debout pour un cycle de cette posture du chameau. Cette fois-ci, on va prendre la posture sans venir accrocher les orteils, donc genou largeur de hanche. Vous avez deux options ici, donc soit vous choisissez plutôt de juste travailler un petit peu à ce mouvement, de vous laisser aller en arrière. On est un petit peu plus loin de notre pied, donc si vous n'atteignez pas tout à fait le pied, vous jouez simplement à cette sorte de pendule. Sinon, vous pouvez reprendre comme on l'a fait de l'autre côté, avec l'aide du bras opposé, ce mouvement un petit peu plus circulaire, juste en faisant attention de bien engager quand vous ressortez de la posture. On est un petit peu plus bas, vu qu'on vient chercher notre talon qui n'a pas la hauteur de tout notre pied. Et si vous voulez prendre la version complète de ce côté-ci, vous vous laissez simplement partir en arrière jusqu'à ce qu'une main vienne sur un talon, l'autre sur l'autre. Et puis, tout en continuant de bien serrer les fessiers et chercher cette ouverture, la sensation qu'il y a peut-être un petit peu plus de chaleur au niveau des quadriceps, comme on est un petit peu plus bas, ils doivent travailler un petit peu plus dur.
Choisissez la version de la posture qui convient pour vous, qui convient pour aujourd'hui. Vous prenez encore une dernière respiration. Et puis, vous ressortez tranquillement, peut-être avec l'aide d'un de vos bras. Et vous revenez les deux genoux proches l'un de l'autre. Fesses sur les talons. Un petit instant de nouveau pour ressentir. Les yeux fermés. Et puis depuis là, vous pouvez retrouver une position à quatre pattes. Assurez-vous qu'il reste un petit peu d'espace à l'avant de votre tapis. Genoux largeur de hanche. Puis cette fois-ci, c'est les mains qui vont avancer un petit peu pour qu'on puisse venir relâcher tout le haut du corps en direction du sol. Peut-être venir poser le front sur le tapis. Comme un chat qui s'étire. Avec les mains qui poussent un petit peu dans le sol pour qu'on sente que ça vient vraiment allonger juste au niveau de l'avant de l'épaule. Et le long des côtes. Encore une dernière inspire. Expire. Les prochaines inspires, vous remontez juste suffisamment haut pour pouvoir avancer un petit peu les genoux en les gardant un petit peu plus larges que les hanches pour trouver cette fois-ci le tour de l'enfant. Gros orteils peuvent venir à la rencontre l'un de l'autre. Puis on va venir déposer le front au sol. Si possible, les coudes aussi, pour ensuite amener les paumes de main l'une contre l'autre. Et c'est juste à l'arrière de la tête. Profitez aussi de laisser votre bas du dos, cet étirement, petite contre-posture. Laissez le souffle se tranquilliser. Laissez le corps relâcher dans ces postures puissantes. Et là, vous pouvez remonter jusque dans un quatre pattes. Peut-être venir balancer un petit peu les fesses de droite à gauche dans votre quatre pattes. Puis là, on va venir croiser notre jambe droite derrière la gauche. Donc les deux genoux sont l'un devant l'autre avec le genou droit qui est devant, qui est plus proche de nos mains. Ensuite, vous pouvez ouvrir un petit peu les deux pieds de chaque côté jusqu'à ce qu'on puisse asseoir les fesses entre les deux talons. Donc on se retrouve dans la posture qu'on appelle la posture de la tête de vache. Si c'est trop intense d'avoir le croisement, les deux genoux qui sont l'un par-dessus l'autre, soit vous glissez quelque chose sous les fesses pour être un petit peu plus redressé au niveau de l'assise, soit vous venez dans un simple tailleur, ça marche aussi très bien. Juste pour venir étirer un petit peu nos hanches, mais l'accent ce sera plutôt sur les épaules de toute manière, donc c'est pas très important si la posture que vous prenez au niveau des jambes n'est pas exactement similaire à la mienne. Puis depuis là, avec l'inspire, vous allez monter les deux bras en direction du plafond, plier votre coude droit, puis poser votre main gauche sur le coude pour accompagner ce mouvement d'ouverture au niveau de l'épaule. Vous sentez toute la partie extérieure ici, le triceps, qu'on a déjà étiré dans notre posture de l'enfant avec les deux mains en prière. Si vous avez une sangle à la maison, si vous savez que vous arrivez à attraper le bout des doigts en venant glisser votre main gauche par-dessous, vous pouvez aussi prendre cette version-là de la posture. Ou si comme moi vous avez des cheveux longs, ça marche aussi, vous pouvez vous agripper à votre queue de cheval. J'ai fait le test, c'est un moyen probant. Juste pour vous aider à trouver un tout petit peu plus d'ouverture au niveau de cette épaule. Mais sans forcer. C'est une articulation relativement mobile et donc fragile l'épaule, donc on cherche surtout à créer une ouverture qui soit agréable, mais sans avoir l'impression qu'on va au-delà de notre zone de confort au niveau articulaire. On va rester encore pour une dernière respiration ici, en essayant de monter notre coude droit un tout petit peu plus haut,
Puis avec l'expire, doucement vous relâchez. Et puis depuis là, vous pouvez repasser vers l'avant dans votre quatre pattes, à la manière que vous souhaitez. Et puis décroisez votre jambe droite et retrouvez votre position initiale. Puis là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est notre genou gauche qui passe par-dessus le bas de la jambe droite. Donc cette fois-ci, c'est le genou droit qui est un petit peu le plus proche des mains. Vous venez ouvrir un petit peu les pieds vers l'extérieur pour qu'ensuite les fesses puissent plus facilement passer à l'arrière dans cette fameuse posture de la tête de vache. Donc, suivant les sensations de ce côté-ci, vous ajustez, vous modifiez en conséquence. Puis une fois que vous êtes bien installé au niveau du bas du corps, vous pouvez avec une inspire monter les deux bras en direction du plafond. Puis cette fois-ci, pliez votre coude gauche, posez la main droite dessus. Puis commencez à doucement étirer un petit peu plus les triceps. Donc imaginez, plutôt que de tirer le coude en arrière, que vous essayez d'allonger le flanc en pointant le coude gauche d'abord vers le haut, puis ensuite légèrement en arrière. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer un peu plus d'espace dans l'articulation avant de chercher à l'ouvrir plus. Puis suivant où est la tête, vous pouvez aussi appuyer doucement avec l'arrière de votre tête sur votre avant-bras gauche, ça peut aider à ouvrir un petit peu plus. Si vous avez une sangle, des cheveux longs, vous pouvez aussi venir pour cette deuxième version où le bras droit passe par-dessous. Vous continuez simplement de respirer, le dos qui reste long. Pour une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, vous relâchez. Et vous pouvez passer en avant, délicatement décroiser les jambes jusqu'à revenir dans votre quatre pattes. Bougez un petit peu sur place, bougez les fesses de droite à gauche. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez venir vous asseoir fesses sur les talons. Et simplement passer les jambes d'un côté ou de l'autre pour pouvoir ancrer les deux pieds bien à plat au sol. Et puis en venant chercher vos genoux avec les mains, vous allez simplement avec l'inspire redresser un petit peu le dos. Puis avec l'expire, laissez l'entier de la colonne petit à petit s'arrondir. Puis depuis là, vous laissez ensuite les mains se décoller. Toute la colonne se déposer sur votre tapis. Et bien se retrouver dans notre posture préparatoire pour le pont, où les deux pieds peuvent se rapprocher un petit peu des fesses, s'ils s'en étaient légèrement éloignés. Puis là, vous pouvez d'abord juste laisser tout le corps se déposer au sol, prendre un instant pour observer le ressenti au niveau de la cage thoracique, toute cette région du cœur sur laquelle on s'est beaucoup concentré aujourd'hui. Prenez le temps d'observer peut-être comment votre souffle a changé au fil de la pratique, comment la perception de cette zone du cœur est depuis l'intérieur. Puis prenez le temps aussi ici de vous demander quelle est la quantité d'énergie qui vous reste pour la fin de la pratique. Si vous avez plutôt besoin de quelque chose de doux ou d'encore une ou deux postures dynamiques pour pouvoir choisir au mieux les options suivantes. Donc depuis là, on aura trois options pour nos prochaines postures. Soit on peut prendre la version soutenue du pont, pour amener un petit peu de légèreté et de relâchement au niveau des jambes, en n'ayant aucun effort à faire. Donc si vous choisissez cette variante, assurez-vous juste que vous avez un bloc ou une couverture pas trop loin pour pouvoir venir le glisser sous les fesses. La deuxième option, ce sera de prendre un pont comme on l'a fait en début de pratique, version statique. Puis la troisième option, ce sera de prendre la posture de la roue, où on est sur les mains et sur les pieds, donc dans la forme de l'arc, un petit peu comme on a déjà exploré dans d'autres postures aujourd'hui, mais avec encore un petit peu plus d'ouverture au niveau des épaules. Donc depuis là, si vous choisissez la variante du pont soutenu, vous pouvez décoller les fesses, venir glisser le bloc ou la couverture sous les fesses, juste vous installer pour rester là pendant les prochaines minutes. On va commencer par prendre un pont, même si on va ensuite transitionner dans la roue. Donc vous pouvez tourner les paumes de main face au sol, garder les pieds relativement proches des fesses, puis depuis là, avec l'inspire, doucement décoller le bassin. Une vertèbre après l'autre. Vous
Prenez le temps dans votre posture du pont d'imaginer que vous serrez un bloc entre les cuisses, un bloc imaginaire pour engager l'intérieur des cuisses, engager un petit peu plus les fessiers, puis voir si ça vous permet de lever légèrement plus le bassin. Prenez une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, on descend tranquillement. On vient redéposer les fesses jusqu'au sol. On va prendre notre deuxième variante. Soit vous reprenez un pont, la même chose, peut-être en venant entrelacer les doigts sous le sacrum pour aller un petit peu plus haut. Soit vous vous préparez pour prendre la posture de la roue. Donc si vous prenez la roue, venez d'abord placer vos mains comme si vous essayiez de les glisser sous les épaules avec le bout des doigts qui pointent en direction des talons et les coudes qui regardent vers le plafond. On va vraiment essayer de garder les coudes dans l'axe par rapport aux épaules, de ne pas les laisser s'ouvrir sur les côtés. Mais depuis là, les pieds bien ancrés au sol, vous pressez sur les mains et sur les pieds pour juste décoller les épaules et la tête suffisamment pour poser légèrement le sommet de la tête sur le sol. Ça, c'est votre première variante dans la posture de la roue. Si c'est déjà suffisant, vous restez là à serrer les fessiers, essayez de ne pas mettre trop de poids sur le sommet de la tête et quand c'est nécessaire, vous redescendez dans un pont. Mais si depuis là, vous voulez aller dans la version complète, vous venez tendre un peu plus les bras. Serrez les fessiers autant que possible. Si ça compresse dans le bas du dos, soit espacez les orteils, soit montez sur la pointe des pieds. Regardez en direction de vos pouces. Et continuez de respirer. On va juste rester encore pour une dernière respiration. On soit dans un pont ou dans une roue. Puis tranquillement on descend, on fléchit les coudes. On repose le sommet de la tête au sol. On glisse l'arrière de la tête. On dépose le dos et on revient avec l'entier du dos à plat sur le tapis. Les bras peuvent venir le long des flancs. Si on était dans le pont soutenu, on peut enlever le bloc, enlever la couverture. Plus retrouver cette sensation d'être à nouveau à plat au sol. Et comme cette posture, c'est une extension, plutôt que de directement aller serrer les genoux contre la poitrine, qui est souvent ce qu'on a envie de faire, on va commencer par neutraliser un petit peu la colonne avec une torsion. Donc vous pouvez ouvrir les bras de chaque côté, en croix ou en cactus, en fonction de l'espace disponible. Et puis simplement laisser les deux genoux tomber sur la gauche, peut-être venir les monter un petit peu plus haut, pour que la torsion soit agréable. Ou glisser les deux pieds un petit peu plus vers l'avant de votre tapis si vous sentez que vous voulez une torsion moins profonde. Donc plus vous allez serrer les genoux contre vous, plus ça va encourager le bassin à tourner sur le côté. Vraiment laissez-vous le temps de vous installer aussi confortablement que possible dans cette torsion. On va rester là quelques respirations. Laissez le rythme du cœur, le rythme du souffle ralentir et se poser. On va simplement prendre une dernière respiration, une profonde inspire, une profonde expire. Et puis depuis là, doucement, vous pouvez remonter un genou après l'autre, soit en gardant les deux pieds à plat au sol, soit en ayant les pieds décollés du tapis, vous voyez ce qui est le plus agréable. Puis vous laissez simplement les jambes aller jusque de l'autre côté, dans votre torsion dans l'autre sens. Ajustez la profondeur de la torsion pour y être à l'aise, sans que ce soit trop intense non plus.
On va simplement rester pour notre dernière respiration. Longue inspire. Expire complète. Pensez de vous remonter un genou après l'autre. Et cette fois-ci, on va venir faire ce mouvement que souvent on a envie de faire après toutes nos extensions pour rééquilibrer. Venir serrer nos deux genoux contre nous. Et puis pour ajouter encore un petit peu au relâchement au niveau lombaire, on peut venir se balancer doucement de droite à gauche. Juste en vous laissant aller à ces petits mouvements de façon intuitive. Suivez votre ressenti pour trouver ce qui est juste pour vous. Vous pouvez soit rester avec les deux genoux resserrés contre vous comme une petite boule. Si c'est plus agréable de venir dans un bébé heureux, vous pouvez glisser les coudes à l'intérieur des genoux, puis venir chercher les bords externes des pieds avec les mains. Puis peut-être continuer ce petit mouvement de balancement de droite à gauche. Puis ensuite, depuis là, vous pourrez, quand ce sera le moment, venir tranquillement vous installer, allongé sur le dos pour votre Shavasana. Si le bas du dos est un petit peu sensible, ce qui est possible après toutes nos extensions, si les muscles ont beaucoup travaillé et que vous sentez que c'est un petit peu délicat dans cette région, glissez quelque chose sous les genoux pour soulager un petit peu la cambrure.
Puis depuis là, vous pourriez tranquillement commencer à revenir de votre relaxation. Laissez d'abord le souffle s'approfondir, le bout des doigts, les orteils se mettre en mouvement. Puis ensuite, vous pourrez tranquillement vous laisser rouler sur le côté, prendre encore 2-3 longues respirations dans cette position fœtale. Et enfin, venir vous redresser jusqu'à intégrer une posture assise simple et confortable depuis laquelle on va terminer la pratique. Pour terminer, vous pouvez placer les deux mains l'une sur l'autre sur le cœur. Juste rester en observation quelques instants de votre souffle. En observant comment vous vous sentez en cette fin de pratique. Après toutes ces postures où on s'est beaucoup concentré sur notre cœur, sur notre souffle et sur l'ouverture de cette partie-là de notre corps. Prenez le temps aussi de noter comment intérieurement vous vous sentez, comment votre niveau d'énergie est après toutes ces postures. Pour terminer, on va simplement prendre une dernière respiration. Ensemble, on inspire par le nez le plus profondément possible, jusque sous le bout de nos doigts. Puis avec l'expire, on relâche complètement par la bouche. Namasté. Merci pour votre pratique d'aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver dans notre prochaine vidéo.